Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte de jazz comme tous les mercredis, en direct sur les ondes d'Agora Côte d'Azur. Mais ce soir, nous ne sommes pas en direct, nous sommes différés bien sûr pour ce premier jour du déconfinement. Nous sommes dans les locaux de Imago Productions et j'ai la chance de recevoir ce soir, ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé, beaucoup de musiciens sont avec nous ce soir dans la boîte de jazz. Et je vais vous les présenter. Il y a des invités que vous avez entendus souvent dans la boîte de jazz. Il y a Monsieur Joe Kayat, le pianiste bien connu. Monsieur Frédéric Dolschnitz, pianiste lui aussi très connu, trompettiste à 16 heures et invité régulier de la boîte de jazz. Et notre ami qui a souvent participé à l'émission, qui a même... nous a amené beaucoup d'invités, Claudio Cittarella, bassiste, compositeur, producteur, etc. Il y a Mademoiselle Dillo, qui est batteuse, je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas qui joue de la batterie. Et bien sûr, nous sommes avec David Benaroche, qui est le leader, concepteur et patron, on peut dire, boss de Imago Records and Production, et nous avons avec nous Adrien à la technique, Adrien Bruschini. Vous avez peut-être connu, ça remonte à la MJC Pico de Cannes. Voilà pour l'aéropage de ce soir. Dans cette émission de la boîte de jazz, nous allons traiter beaucoup de sujets, en particulier la vie musicale de nos amis invités ce soir.